Les gars, let's go, le mode duel. La map a changé, ce qui est rien de bouillonnant, donc c'est parfait pour El Costo. Débloque code, ça. Le Brawl Ball, ça aussi, ça fait plaisir parce que El Costo en Brawl Ball, c'est quand même fort. On va se mettre sur les points El Costo, ce sont tous les points sur les mêmes El Costo. Et les autres brawlers, je sais pas quand ils ont. On débloque boule. Et ici, on a les quêtes. Attendez. Ah bah voilà, il y avait un petit bug. On a une énorme quête de duel. Je sais même pas pourquoi ils ont mis cette quête. Je suppose que c'est un bug, mais je suis pas sûr. Du coup, à 1000 jetons. Et regardez tout ce qu'on a ici. Je ferai ça demain parce que là on est le soir. Mais franchement, ça va être trop bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. On est sur le fameux compte Best Costo, voilà. Vraiment, c'est un délire. J'étais pas trop sûr de ce que j'avais fait dans la précédente vidéo. Là c'est bon, donc les quêtes je les ai faites, il n'y a que combat de boss que j'ai pas encore tout fait, mais c'est pas grave. On va s'ouvrir ces boîtes, pack opening, parce que ce que j'adore en créer un nouveau compte, c'est du pack opening, parce que tu peux jouer plein de brawlers. Pour le moment, j'améliore pas les personnages, je les améliorerai à la fin. On attribue les points, car j'ai aussi là, mais du coup j'attends. Je pense que je vais les mettre sur le bureau. À moins que je peux renommer le compte. Du coup, si je pack un perso du style Edgar, que. Peut-être pas plus fort, mais. Bon, quoique oui, il est plus fort, mais. Autre que je préfère à El Costo, je renommerai le compte. Voilà. Mais la boîte, je regarde pas le chiffre. Ok, ça c'est drôle, là, ça va. Let's get this Poco. Le petit Poco. Je vais mettre tous les persos là, à part Poco, je pense. Sinon, c'est bon, on peut améliorer tous les persos. On récupère les gemmes. Et quand on va être à 40 gemmes, je crois. Ok, brawler, super rare là. Voilà, béni. Et maintenant, on peut tout débloquer. Alors, j'ai pas mis une super saladie pour le moment. On peut encore débloquer Bartaba et Rosa. Mais là on peut débloquer aussi de l'épique si on a plus de chance. L'or. Au début quand on crée un compte on a beaucoup d'or, après on en manque d'or. C'est tout. Ok, une méga boîte où il y a rien. À ce niveau quand même, une méga boîte où il y a rien. Ok, brawler. Oh non, mais pourquoi il est là, lui, Bartaba, quoi. Il est nul, Bartaba, il est nul. Les points, on verra. Mais... vraiment pas Bartaba. Et au final je suis allé jusqu'au palier pour le brawl pass. Ok, c'est un Rosa, c'est my game. Très bien. Ok, Rosa. Tac. On a les points ici, on va tout mettre à El Costo. Faudra aussi t'acheter un petit skin sur El Costo. Il y a le skin Saint-Valentin de El Costo. Il coûte que 49 gemmes, j'avais vu dans les comptes des joueurs, etc. Du coup, je récupérerai ces gemmes-là et je pourrais me l'acheter. Bah, je l'achèterai. Jessie. Au final, on aura débloqué toutes les rares et une super rare. Attendez, c'est pas fini, on a encore des boîtes. Bon. On va pas se mentir, j'y crois un peu moyen, mais il y a encore des boîtes. Ok, Jessie prend ses points. Tac. Ça se joue dans la petite boîte. Et on n'aura rien. Rien de nouveau. Alors, je garde le gold. J'améliore pas les autres persos pour le moment. You lose. Surtout qu'à niveau trophée, ils en ont. C'est pas grave qu'ils soient pouvoir 1, honnêtement. For pain and for glory. Vamos. C'est pas mal. Et c'est vraiment pas mal.
Ce que je ferais, c'est que j'ai pas encore 900 trophées, mais quand j'aurai 900 trophées, je rejoindrai un club. Précisément, mon club, c'est quoi ça? Je rejoindrai mon club, précisément mon club, je disais. El Primo is here. Qu'est-ce que j'ai rien compris. Oh, c'est pas grave. Je rejoindrai précisément mon club et comme ça j'aurai des points de club pour acheter les points de pouvoir et le gold parce que je pense que je vais en avoir besoin. C'est pour ça que j'améliore pas les autres persos parce que ensuite je rêve beaucoup. Je suis un grand rêveur, mais est-ce que ce ne serait pas possible d'acheter au moins le skin argent d'El Costo? Honnêtement, parce que 100 points de club, ça correspond à 250 pièces d'or. Du coup, tu dépenses 400 points de club pour 1000 pièces d'or. En vrai, je pense que ça peut être possible. Hein. En vrai, je pense que oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.